La relation homme-machine est une interaction complexe qui concerne désormais tous les aspects de la vie, du jeu au travail. Dans cette perspective d'interaction homme-technologie, Akifix identifie l'évolution de l'installation dans le travail des faux plafonds, dans l'innovation sensationnelle d'un outil capable de nivellement automatique des surfaces. À l'aide d'une vaste gamme de crochets structurés de manière à respecter les types de profils les plus couramment utilisés, Akifix a étudié. Modèle 1. Kit préassemblé comprenant un crochet avec patin en caoutchouc, une vis de réglage et sans ressort à double canon. Modèle 2. Kit avec crochet col de cygne pour faux plafond classique. Modèle 3, kit pour structure avec traverse tube K. Modèle 4, kit avec attache EBC avec patin en caoutchouc anti-vibration. Modèle 5, la même solution sans caoutchouc. L'application initiale est standard. Ainsi, après avoir choisi la tige de la bonne longueur pour la descente, il suffit de visser la tige filetée au bouchon correspondant à la structure de support de référence, de l'insérer quelques millimètres dans le kit choisi, de ramener le bouchon à expansion en tournant le corset et en répétant l'action pour toute la suspension à effectuer. Jusqu'à présent, les suspensions du plafond suspendu avaient toujours des longues installations, juste à cause de l'étalonnage en continu qu'elles devaient avoir, précisément parce qu'elles étaient manuelles. À ce stade, la sous-structure sera insérée, que ce soit avec un gauchissement simple ou avec un double gauchissement, et le moment de la révolution est venu. Une fois que le laser a été réglé à la hauteur désirée, et que le joint de cardan est inséré dans le tournevis, il suffit de le coupler au récepteur et d'utiliser le côté magnétisé pour faire adhérer le récepteur au montant. À ce stade, le joint de tournevis est inséré dans la tête hexagonale de la vis de réglage, située sous le crochet, et le tournevis commence à fonctionner. Il se déplace automatiquement pour atteindre le niveau atteint par le laser et s'arrête alors toute seule. De cette façon, il sera facile et extrêmement rapide de calibrer parfaitement tous les crochets. Pour permettre à l'ensemble du système de supporter une charge beaucoup plus importante, des clips de sécurité sont insérés à proximité des crochets de manière à empêcher le profil de s'ouvrir. Les clips doivent également être positionnés aux extrémités du crochet orthogonal du double cadre. Le kit Magic Control, grâce à la synergie entre pièces mécaniques et composants électroniques, permet à l'installateur de suspendre un faux plafond complet facilement, rapidement et surtout avec la précision que seul un outil automatique peut donner. Akifix a certifié ce produit anti-effondrement et anti-piétinement dans le but d'obtenir un faux plafond praticable. Akifix est toujours à la recherche de nouvelles idées pour résoudre les problèmes sur le chantier. C'est pourquoi, au sein de son propre laboratoire, il teste les valeurs de charge de tous ses produits afin de mettre sur le marché des accessoires sûrs et certifiés. Même la contribution de la clip de sécurité au scellement de la structure a été testée, en vérifiant que la charge maximale autorisée sur l'eau